Allez, Léon Marchand, Lido numéro 5, c'est parti pour ce 200 papillons. La foulée est comme à son habitude, parfaitement exécutée. Et là, on le voit parfaitement dans le rythme, aux avant-postes. Et c'est parti pour ce 200 mètres. On va évidemment suivre le japonais et l'américain. Pour moi, c'est les trois favoris de cette finale. Léon qui part posé, on le sait. Il sait faire ça, il va partir plus prudemment que ses adversaires. Et c'est vraiment au fur et à mesure de la course qu'il va construire, on l'espère, cette victoire sur 200 mètres papillon. Allez, on est sous l'eau, regardez Léon Marchand qui s'en va maintenant sur le retour avec un beau tirage parfaitement exécuté. Il y a de la concurrence à côté de lui. Mais Léon qui a déjà fait l'effort hein, sur cette deuxième poulée. Avec Richard Martin qui est en tête pour l'instant. Et ça fait mal quand on est ses adversaires, je vous assure, si à chaque virage on prend, chaque fois un demi-mètre, moi ça m'arrivait avec Jérémy Strébus, je vous assure, c'est pesant, et sur 200 mètres, voilà, c'est long. Il est remonté de la 5e place à la première, Léon Marchand pour le moment, il est en tête, il passe en tête de ce 200 mètres papillon, il est parfaitement dans le rythme. Allez Léon qui vient de faire une bonne poulet 10 mètres, il est devant, on va suivre les lignes au-dessus aussi avec le japonais et l'américain, le jeune américain de seulement 16 ans, Thomas Edman, qui va vraiment jouer ses chances à fond. Et Léon qui est très bien placé pour l'instant, il est premier, il va faire une grosse dernière poulet, on l'a vu sur le 400 mètres cattenage, on sait que c'est une de ses forces, allez Léon, un bon virage, allez, Léon Marchand maintenant, le dernier virage, il met sur un rythme de folie, la dernière poulet, c'est tellement important pour lui, il sera à la deuxième place, mais maintenant, cela est devant.